Salut les amis, salut la cascade, salut la cavalcade, bienvenue chez moi pour euh, cette séance thématique Swiss Ball aujourd'hui. Donc qui dit Swiss Ball, il dit renforcement musculaire avec, avec à nouveau une, une thématique de ventre plat et d'amincissement, de, 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 on va dire, de, de, de silhouette avec ce, ce média. Alors on rappelle que on est ici sur ma page Facebook, c'est vraiment du bonheur de vous avoir et puis euh, vous savez qu'elle sera directement liée sur ma chaîne YouTube que vous pourrez aller voir. J'aimerais également que vous puissiez regarder et écouter, plutôt écouter, sur, euh, sur France Bleu, Belfort Montbéliard, les, les thématiques que je mets en place. Je prends beaucoup de temps, mais vous aurez beaucoup, beaucoup de réponses sur ces thématiques que je prépare. Voilà alors, si vous êtes prêts, si vous avez votre bouteille d'eau et si vous avez votre Swiss ball, eh bien, nous allons commencer par un petit échauffement collectif. Allez, on va s'asseoir correctement sur son ballon. Moi, j'ai oublié mes, mes baskets. Je voulais en mettre, mais bon, je suis bien chez moi, je suis pieds nus. Tant pis, on y va comme ça. Allez, on se met bien positionné. Alors, le perruet, donc, on rappelle que le crâne est tiré vers le plafond. Je me change de côté, je change d'angle pour que vous puissiez bien me voir. Je me positionne bien droit. J'ai mon crâne qui monte au sommet du plafond, mon bassin lui file un petit peu vers l'avant, et ici je vais faire un petit mouvement rotatif uniquement au niveau du bassin. Alors vous voyez que ce ne sont que les hanches qui bougent de droite à gauche et non pas les épaules. Ok Allez, on fait un petit coup de l'autre côté maintenant. Allez, on fait une dizaine de fois, c'est simplement pour délier. Le bassin. Allez, vous tournez gentiment. Très bien. Une fois sur la gauche, une fois sur la droite. Voilà. Je vous vois. Je vois qu'il y en a encore qui sont avec euh, leurs bouteilles. Posez vos bouteilles et vous pouvez commencer à, à faire les exercices. Très bien. Maintenant, on va faire balancer le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Attention, mes épaules ne bougent pas. Je mets la main sur mes épaules. Le bassin file vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Attention, les épaules ne bougent pas. Ok hein? Je veux pas voir ça, auquel cas ça ne sert strictement à rien. Par contre, simplement le bassin. Vous sentez que vous tendez le dos derrière Vous ramenez le bassin. Vous êtes à l'expire en arrière. Inspire, ramène. Expire, inspire. Expire, inspire. On est à l'échauffement. Ok. Très bien. On va dérouler maintenant gentiment et revenir en arrière. On déroule vers l'avant et on repart à zéro. On a confiance en hein, haut médium. Alors pour, euh, pour Marie, euh, toi tu peux faire l'exercice le, sur le ballon, euh, sur ta chaise hein, puisque tu n'as pas de, de ballon. Alors ici on va simplement avancer les jambes, ici toujours à l'angle droit. Je vais pousser mes fesses en arrière, ramener le ballon vers mes talons. Pousser en arrière, ramener. On y va pour dix fois de suite pour tout le monde. Allez, c'est parti. Poussez en arrière, ramenez. Poussez en arrière, ramenez. Vous poussez en arrière de façon à ce que le dos soit complètement étiré. Vous voyez, le dos est complètement étiré. Vous me voyez bien Oui, le dos est bien étiré vers l'arrière. Et vous ramenez vers l'avant. Allez, on va vers l'arrière, on va vers l'avant. Alors moi, c'est totalement inconfortable avec, euh, avec mes chaussettes et un tapis qui, qui glisse un petit peu. Donc, pendant que vous faites cet exercice-là... Je vais mettre une paire de chaussures. D'accord Vous y allez pour 10 fois, c'est parti. Voilà, je n'ai pas été bien long. Je vais être accord uniquement avec coucou la Belgique. Bonjour mes belles. Allez, vous continuez. On embrasse mes amis belges qui viennent nous faire des coucous durant le confinement. Allez, vous continuez. Alors maintenant, vous tendez les fesses complètement en arrière. Ici, complètement en arrière pendant 10 secondes. Allez-y. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous ramenez vers l'avant. Vous ne bougez plus. Vous restez bien droite. Ici, vous allez plier les jambes. 9, 8, 7, 6. Tenez-vous bien droit, bien droite. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Vous allez maintenant reculer le ballon quasiment au bout de votre tapis et on va déposer les épaules sur le ballon. Uniquement. Les épaules sont posées sur le ballon, on est d'accord. Je vais pousser simplement avec la force de mes jambes. Attention, ma tête ne bouge pas. Alors vous voyez, malheureusement, j'ai même des appels et c'est en direct. Hein Alors maintenant, vous poussez bien vers l'arrière et vous poussez les fesses complètement en arrière. OK Je ramène ici vers l'avant. Alors tenez, qui pourra me dire de quelle sonnerie il s'agit Ça peut être intéressant ça, hein Je vous laisse me dire de quelle sonnerie il s'agit. Les épaules sont collées sur les les épaules sont collées sur le ballon. Allez, maintenant je me relève, je reviens en arrière et je pousse mes fesses en arrière. Et c'est reparti vers l'avant. Vous déroulez je vous demande de rien faire pour l'instant. Hein. Vous prenez, vous avez complètement confiance au ballon. Les aies, le, le bassin maintenant est vraiment très très bas, de façon à aller toucher le ballon avec le bassin. Vous poussez avec vos fesses le ballon, comme si vous vouliez tomber, mais normalement, normalement, je dis bien, vous ne devez pas tomber. Élodie, n'es pas tombée là J'ai cru, non Ok. Alors maintenant, vous restez collé, complètement sur le ballon et vous revenez en arrière. Encore. Allez, vous revenez en arrière le plus droit possible. Encore. Voilà. Ok, on y va. On redescend gentiment. C'est parti. Je cale mon bassin. Une, deux. C'est mon bassin qui va toucher le ballon. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.